Bonjour à tous, c'est Philippe Guivard de Trek Eco Survie Aventure. Comme vous le voyez, je suis en train de ramasser des arbouses. J'en profite, elles sont mûres. Et c'est ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter cet arbre un petit peu particulier, cet arbuste un petit peu particulier qu'on appelle l'arbousier. Vous verrez, c'est un arbuste très intéressant. L'arbousier est un arbuste. Est un arbuste, pourquoi ? Parce qu'une grande majorité de ces végétaux ne dépasse pas, en général, on va dire, les 4 mètres. Mais il y a aussi des arbres, et vous le verrez tout à l'heure en image, des arbres qui dépassent allègrement les 5 mètres, puisque certains ont même été mesurés jusqu'à 10 mètres. C'est un arbre qui, sur le plan esthétique, est très joli, et qui est utilisé souvent comme ornement pour des raisons qui sont évidentes, car ses feuilles sont persistantes, elles sont d'un beau vert luisant toute l'année, et en plus au moment où elles fructifient, c'est-à-dire au moment où elles possèdent ses fruits, eh bien ce sont de jolies baies granuleuses orangées, presque rouges, qui sont affichées sur cet arbre. Regardez celui-ci, il comporte les arbouses, les fleurs et les feuilles. Et vous voyez que ça fait un mélange coloré qui est très agréable. Les feuilles de l'arbousier sont assez particulières. Pourquoi ? Parce qu'elles sont ovales, pointues et légèrement dentées sur les bords. Vous le verrez en image tout à l'heure. Hein ? Ces feuilles sont assez, on va dire, assez coriaces, assez dures au toucher. Hein ? Elles sont brillantes. Pour ce qui concerne les fleurs, comme vous le voyez sur celui-ci, les fleurs sont des clochettes qui sont blanches, parfois un petit peu crème, mais elles sont parfois aussi rosées. Donc il y a une variété de couleurs qui est assez marquée. Il n'empêche que les arbouses sont toutes de la même couleur, orangée jusqu'à légèrement rouge. Alors ces baies sont très intéressantes parce que pour celles et ceux qui en ont déjà goûté, vous savez qu'on les appelle aussi des fraises, c'est-à-dire que l'arbousier est appelé l'arbre à fraises. Pourquoi ? Parce que ces baies ont un petit goût de fraise. Lorsque vous les mangez crues, ces baies n'ont pas une saveur très importante, très marquante. Elles ne sont pas excellentes, on va dire. Par contre, dès qu'on commence à les cuisiner, dès qu'on commence à les travailler, et c'est ce que je vous proposerai en fin de vidéo, une confiture d'arbouse, là, la saveur de la baie se dégage à tel point que vous avez vraiment l'impression de manger des fraises. Je pense d'ailleurs que ça peut être une alternative intéressante pour les enfants afin d'éviter de consommer peut-être, je ne vais pas dire des fraises, mais plutôt des confitures de fraises, sachant que les fraises sont cultivées en utilisant une quantité abominable de produits chimiques. Donc à la place de mettre des fraises, mettre des arbouses, je vous montrerai cette confiture. Vraiment, elle est très très bonne. Il faut savoir que cet arbuste est pratiquement essentiellement un arbuste sauvage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de culture d'arbousier ou d'arbouse. C'est un arbuste qui a une singularité intéressante pour tous ceux qui souhaitent le mettre dans leur jardin, c'est qu'il se bouture très facilement, puisqu'il peut vivre tout autour de la Méditerranée, bien sûr, mais il pousse aussi sur toute la côte landaise jusqu'en Bretagne. Ce qui veut dire que on peut essayer de toute façon de le planter dans son jardin en sachant qu'on aura forcément un résultat. Cet arbuste, même lorsqu'il est devenu arbre, cet arbuste supporte des températures de moins 15. Donc ça permet de penser qu'on peut le replanter jusque même au nord de la Bretagne. J'ai entendu dire qu'en Irlande, il y en avait. Je suis dans un endroit où il y a de nombreux arbousiers sauvages qui n'ont pas été coupés. Et si vous voulez bien regarder, vous savez qu'ils poussent par groupe, regardez ce groupe d'arbousiers. Voyez la dimension des troncs, on peut appeler ça des troncs parce que lorsque on évalue la dimension de ces arbousiers, ils dépassent les 5 mètres de hauteur. Autrement dit, on tombe dans la catégorie carrément des arbres. Alors ce sont des arbres qui sont véritablement
très joli. Et comme vous le voyez, il ne ressemble pratiquement plus à ces arbousiers qui font 2 mètres, qui sont très feuillus, qui sont très jolis, colorés de vert et de rouge lorsqu'il y a les fruits. Ici, les feuilles, sont plutôt espacées vers le haut pour récupérer la lumière. Mais notez à quel point cet arbre est d'une grande vivacité pour pouvoir arriver à former d'aussi jolies formes sur des dimensions aussi grandes. Alors, comme vous pouvez le voir, les arbousiers poussent et montent. Il n'y a pratiquement pas de feuilles au niveau du bas quand ils sont dans un bois, comme ici. Toutes les feuilles sont en hauteur. Par contre, à la différence des arbousiers qui sont en bordure de clairière, il y a beaucoup moins de fleurs, beaucoup moins de fruits, parce qu'il y a moins de soleil. Donc pour avoir les fleurs et les fruits, il faut monter tout en hauteur et sur les bords de l'arbre. Voilà, ici je suis à peu près, je vais dire, à 5 mètres de hauteur. Il y a encore, en gros, je vais dire 2,50 m jusqu'à la cime ici. Et je vois les fleurs qui sont tout en haut de cet arbousier. Voilà, c'est un arbre au bois très dur. En même temps, je trouve qu'il est très beau. Vous allez dire que je fais le singe, et en fait, c'est un petit peu ça, parce que c'est dans cette forêt que je suis à la rencontre des singes, au Maroc, dans le parc de Bouachem. Les arbousiers forment dans les régions où ils poussent des sous-bois extrêmement denses. On les repère facilement car leurs feuilles sont vertes et brillantes, et leurs fruits orangés. Ici, ils sont mélangés à des myrtes que vous voyez légèrement sur la gauche. Les feuilles de l'arbousier sont très brillantes, coriaces lorsqu'on les touche. Elles sont ovales, pointues et légèrement dentées sur l'extérieur du limbe. Le vert de la feuille étant légèrement plus terne sur la face inférieure de celle-ci. Ces fleurs poussent par grappes à partir du mois de septembre. Leurs couleurs varient du blanc crème jusqu'au rosé comme ici. L'appareil reproducteur de la fleur est bien protégé à l'intérieur de cette clochette. Les fruits qui apparaissent en fin d'année sont des baies bien rondes, à l'apparence granuleuse. Elles sont orangées jusqu'à rouges. Bien qu'elles soient riches en vitamine C, sa saveur crue n'est pas très prononcée. C'est surtout à la cuisson qu'elle révèle son goût de fraise. Il est fréquent de trouver sur une même branche et les fleurs et les fruits. Le bois de l'arbousier est un bois très dur. Il est utilisé d'ailleurs dans le nord de l'Afrique pour alimenter le feu. Son apparence est pelucheuse sur le tronc. Il peut former de grands arbres jusqu'à plus de 7 mètres. Sa vigueur est exceptionnelle. Lorsqu'il est coupé, il repousse très rapidement et forme de longs rameaux à tiges rougies sur lesquels viennent se former toutes les feuilles. C'est d'ailleurs une des premières espèces à repeupler les endroits qui ont été coupés ou incendiés par le feu, avec les cistes, les bruyères
et les lentisques. Pour faire la confiture d'arbouse, il faut d'abord ramasser des arbouses, ensuite les laver, prendre un volume d'arbouse, le verser dans une marmite, remplir ce même volume de sucre et le mélanger aux arbouses dans la marmite. Allumez le gaz ensuite et, à feu très doux, faites chauffer l'ensemble en remuant régulièrement. Petit à petit, l'ensemble va former une pâte. Au bout de 3/4 d'heure environ, mettez l'ensemble dans un tamis et essayez de faire passer la gelée à travers les mailles de la passoire. Il n'y a plus qu'à mettre la confiture dans un bocal et attendre le bon moment pour pouvoir la déguster. Pour ceux qui veulent faire un vin d'arbouse, il suffit tout simplement de mettre 2 poignées d'arbouse dans une bouteille de vin blanc ou rouge et de laisser macérer pendant 5 jours. Filtrez l'ensemble avant de le boire. Une dernière chose qui peut avoir son intérêt. Le fruit de l'arbousier, l'arbouse, est un fruit qui est astringent, c'est-à-dire que si vous avez la diarrhée, il permet de pouvoir modérer celle-ci. D'autre part, on peut utiliser en décoction les feuilles de l'arbousier pour traiter cette diarrhée. C'est pareil, elles ont des propriétés astringentes. Au niveau de la facilité de l'emploi, j'ai pensé que c'était intéressant de le savoir. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis pour ma part à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien !